Vous savez, la crise du logement, ça n'épargne aucune région du Québec. Par exemple, la Gaspésie ou à Captcha. Bien, il y a un citoyen qui attend désespérément pour un logis à prix modique. Et Katia, donc, en attendant, l'homme doit dormir dans un abri de fortune. Oui, tout à fait, Michel, vous l'avez dit, la pénurie frappe fort. Même ici à Captcha, une municipalité de 3500 habitants. C'est l'histoire de M. Dumont, là, qui a eu une vie quand même assez difficile, mais depuis 2 ans, il s'est repris en main. Et donc, il lui manque un logement. Il est sur la liste d'attente ici pour un logement social. Il y a 18 personnes également sur cette liste ici à Captcha. À travers la province, là, il y a 39 000 ménages qui attendent un logement social. Alors, présentement, il se débrouille comme il peut. Il dort 2 jours chez une sœur, 2 autres jours chez une autre sœur. Et la balance dans cet abri de fortune là, qu'il a installé ici. Mais il faut dire que les nuits ont été passablement froides dans les dernières semaines. Et il y a pourtant des logements disponibles. À travers le Québec, il y a environ 300 logements disponibles. Ici, à Captcha, il y en a 3. Mais le problème, c'est qu'ici, ils sont des logements avec 4 chambres disponibles, mais on ne peut pas louer ces chambres-là à des gens, à personnes seules ou encore à des couples. On lui a offert d'autres options, mais malheureusement, lui, il veut rester ici à Captcha. On l'écoute. Les H&M qu'il y a ici présentement, c'est fait pour du monde, pour des familles. Mais oui, OK, d'accord, mais quand tu es dans une situation comme moi, donne-moi un géant au moins pour l'hiver, quelque chose de même, tu sais. Mais là, les autres, ils m'ont trouvé un logement privé, puis que je vais payer 25 % de mon revenu, puis que les autres vont payer la différence au propriétaire. Mais il n'a pas de logement à Captcha privé. Kamouraska, Brivardieu, oui. Les H&M qu'il y avait Habitat prêt, qui pourrait m'accueillir, tout ça. Bien, je ne veux pas retourner là. C'est là que j'ai fait mes conneries pour me ramasser en prison. Puis non, moi, c'est une vie droite que je suis en train de me bâtir. Puis là, c'est le logement qui est en train de tout briser. Qu'est-ce que je suis en train de construire, là. Michel, M. Dumont m'a même dit, est-ce que je vais devoir retourner en prison là, pour passer une nuit, en fait, un hiver au chaud? Alors lui, il ne reste plus qu'à espérer. Il est 2e sur la liste d'attente ici à Captcha. Merci beaucoup.